Gotta sing. Allez, tous en cœur. Oh rainbow way, oh rainbow way. Ouais, à part ça, c'est moi qui aime bien les petites filles. Je crois qu'elle veut rester. Ouais, sûrement à cause de l'ombre. Merci, merci. Here's your chance, here's your day. Turn right back and go the other way. The time has come to revolutionize your mind. Whoa, whoa. Start a fight, start a war. Go and seize what you were suffering. Ah. Putain, ça, même Bono, même Ziad, ils sont pas passés par là, tu vois. Ah, je suis un ouf. Parce qu'ils vont pas jusqu'au bout de ce qu'ils font. Et ça, pour demander à Sarkozy d'annuler la dette des pays africains, ça y a du monde. Il faut grimper au rocher derrière la salle de concert. Là, bizarrement, plus personne. Il est plus fort, gamin. C'est un couture. Couillère. Arthur. Couillère. Ça suffit. Pas mieux ce beau t-shirt. Je suis sûr qu'il est gay. Qui était très très à la mode voici 20 ans. C'est ça à peu près. Circa 91. Oh, stylé, oh. Comment il a fait. Non, mais ça c'est minable. Attends. Ça, c'est trop une séquence pour les filles en fait. Tu mets un petit écureuil dans le film. On avait à nouveau rien de prévu et le premier panneau sympa qu'on croisait annonçait Caribou Ranch à 20 km. Mais sur place, un autre panneau précisait que malgré le nom, il n'y avait aucun caribou dans le parc. Donc voilà, le parc. Alors des fois, si on a de la chance, on peut voir un animal. Alors Théo qui nous fait une démonstration. Attention. Ah, ça a marché quand même. Et voir la couleur de ton sang, je te dirais si t'es en bonne santé. Oula mec. Quoi? Ouah, moi je t'ai dit où? Ouah, bouge pas, hein, moi je vais t'en péguer, ma carelle. Ouvrez, que diable! Nous sommes deux preux chevaliers, et ont été attaqués par un ours. Il nous faut logis et bonne pitance! Oh, trop bon! Grâce à la pluie. Alors attention aux endroits qui présentent des herbes hautes et des pierres. Alors, où est-ce qu'il y en a? Là. Alors là, tu vois, on... T'as peur des serpents? Gratte avec tes ongles. Face a blech, dar no mano maye. No mano maye. No mano mano maye. La France, monsieur, la France. La France. Attention à la France, Théo. Mais la France. Le plein était fait et c'est une route désespérément droite qu'on allait suivre cette nuit-là. La nuit la plus longue. Ah, les extraterrestres de l'espace. Ah.
Pas comme ça, c'est... Chez toi, j'irai à Ticabou parce que c'est un nom super marrant. Théo dort encore. Il se peut qu'on ait des ennuis parce que les rangers sont là. Parce que normalement l'entrée est payante. Je vais le semer. Il utilise la technique secrète du chevalier à la pancarte. On peut jamais être tranquille dans ce pays. Ça c'est... T'as systématiquement des petits chefaillons hein, qui s'y croient et qui va venir te demander ce que tu fais et te dire que t'as pas le droit. What the fuck? What just happened, man? Ça a été un peu d'emmerder les gens. Donc là, ils croient que... C'est quoi cette voix? Là, ils croient que je vais repartir d'où je suis venu. Wow. Mais non. Le Nino est tellement plus malin. Je me casse. Par l'autre côté. Un beau petit coin. Pour ceux qui aiment la pêche, qui n'ont pas de canne ou de filet. Les poissons ils sautent de l'eau, de toute façon il n'y a qu'à les attraper. S'il faut on dépose des paniers à la surface, on va les récupérer le lendemain, il y a des poissons dedans. Et ouais. Il y a le ranger qui nous tourne autour. Je crois qu'il a vu qu'on n'avait pas payé. Entre le Colorado, l'Utah et le Nevada, on avait chaque jour droit à notre dose de grands espaces et de routes droites et quasi désertes. La côte pacifique vers laquelle on semblait se diriger promettait au contraire des villes immenses. Mais à vrai dire, sans carte ni GPS, on savait même pas ce qui nous attendait au prochain virage. Comme depuis le début de ce trip, pour cette traversée du Grand Ouest, on allait se contenter de rouler au hasard et sans jamais regarder en arrière. Enfin, presque.